Allez, nous allons. On sait qu'il y a encore d'autres personnes. Là, vous êtes déjà quasiment 75 personnes à être connectées. On en attend d'autres, mais elles vont sans doute arriver dans les prochaines minutes. Mais pour avoir un maximum de temps à consacrer à notre sujet et profiter pleinement des témoignages de nos invités, je vous propose de démarrer. Alors, pour celles et ceux qui nous retrouvent et qui connaissent les Afterworks sans transition, ben, un grand merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Et merci également pour les feedbacks que vous nous faites tout au long des sans transition, ce qui nous permet de nous améliorer de façon continue. Et pour les nouveaux, ben, évidemment, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce sans transition. Alors, quelques mots juste pour rappeler ce qu'est, ce que sont ces afterworks sans transition. Ce sont des webinaires qui ont été lancés en octobre 2020, il y a déjà un peu plus d'un an maintenant. On en est à la sixième édition. Et puis, ces webinaires sont organisés par un collectif qui est composé de quatre entités. On a d'abord Corporate for Change, dont je fais partie, qui est la filiale de Ticket for Change et qui accompagne des entreprises sur la transition sociale et environnementale. On a également l'Affectio de Mobilis, le Family Office de l'AFM avec Priscilla qui les représente ce soir. On a Acts and Facts, le troisième collectif qui compose cette entité, avec Anne-Céline et Côme qui sont ici ce soir. Et donc Acts and Facts qui œuvre sur des projets RSE de façon transverse au niveau de l'AFM. Et enfin, The Field, qui œuvre, lui, sur le entreprendre ensemble au sein de l'AFM, avec Marie, Lucie et Savannah et Fanny qui sont parmi nous. Voilà, alors ce collectif de quatre entités est réuni autour d'une motivation toute simple, commune, celle vraiment d'œuvrer aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et c'est pour ça qu'on a imaginé ces afterworks, cet afterwork, pour être vraiment inspiré par des témoignages de pionniers, c'est-à-dire de personnes engagées, talentueuses, qui ont posé, qui posent des pas audacieux sur le chemin de la transition sociale et environnementale. Voilà pour le rappel de cet afterwork sans transition. Alors, pendant ce webinaire, il y a Marie, Savannah, Fanny et Com qui vous accompagneront au niveau du chat et au niveau de l'outline. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a le moindre souci, on est là pour vous aider. J'aurai de mon côté le plaisir d'animer cette afterwork et j'aurai le plaisir de l'animer avec Priscilla. Alors, Priscilla, bonsoir, bienvenue et je te laisse le soin de présenter nos invités et notre sujet du jour. Bonsoir Ludo et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme vous le savez, si vous avez déjà assisté à un afterwork, un de nos partis pris est de fonctionner en binôme. Donc, avoir des grands témoins venant d'une entreprise externe de notre écosystème d'entreprise et des grands témoins venant de la galaxie AFM. Et ce soir, ce ne sont pas deux, mais quatre experts que nous avons le plaisir d'accueillir. Je commence par Domiti Merlin, Brand Storyteller chez Tape à l'œil, Édouard Blanchon, CEO chez Tape à l'œil également, Marine Riquelin, Chief Marketing Officer chez Foodchéri et Season, et Jérôme Lemouchou, CEO chez Foodchéri et Season. Alors avec eux, nous allons parler communication et plus particulièrement comment la communication peut être un levier d'engagement des consommateurs. Alors ils vont nous parler de leurs enjeux, de leurs pratiques, de leurs stratégies pour une consommation plus responsable. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites explications sur le déroulé de notre soirée. Donc durant 50 minutes, nous allons avec Ludovic interviewer nos quatre témoins et ensuite nous aurons une séquence, de questions-réponses de 20 minutes. Alors, pour interagir avec nous, rien de plus simple, je vous fais un petit tour du propriétaire de la plateforme si vous n'êtes pas familier. Donc, vous trouvez plusieurs pictos en bas de la fenêtre Livestorm qui correspondent aux différents onglets. Vous pouvez envoyer vos réactions en live grâce aux emojis ou au chat sur lequel vous pouvez vous parler et retrouver des liens utiles. Juste à côté, ce sont les questions que vous pouvez adresser à nos intervenants. Vous verrez ici toutes les questions posées et vous aurez la possibilité de voter pour celles que vous avez envie qu'on pose en priorité. Donc, on n'aura sans doute pas le temps de toutes les poser, mais on fera voilà, notre maximum pour les balayer le plus largement possible pour qu'un maximum de vos questions soient relayées à nos pionniers. Alors, petite astuce, pensez bien à mettre TAO pour tape à l'œil ou Foodchéri au début de la question pour savoir à qui
s'adresse votre question. Et si votre question s'adresse aux deux entreprises, ne mettez rien. Et en dernier lieu, vous retrouvez donc toujours en bas donc l'onglet sondage que nous vous invitons à ouvrir dès maintenant. Ludo, je te repasse la parole. Exactement, et nous vous invitons à ouvrir l'onglet sondage. Pourquoi ? Parce que pour démarrer ce webinaire et puis se connecter entre nous et se connecter sur le sujet, on vous a préparé deux mini-questions sur lesquelles on va vous faire interagir. Donc, vous cliquez dans l'onglet sondage, ce qui va vous permettre de répondre. La première question concerne la question des résolutions, des bonnes résolutions 2022. Et on vous pose la question sur « Et vous, quelle est votre bonne résolution 2022 ?» On vous fait 5 propositions. Est-ce que c'est de faire votre bilan carbone ? Est-ce que c'est de manger mieux ? Est-ce que c'est d'acheter sobrement et d'occasion ? Est-ce que c'est la même qu'en 2021 ? C'est-à-dire, alors là, on a mis un peu de tout, hein, perdre son petit ventre, arrêter de fumer, limiter les écrans, ne plus se moquer de sa belle-mère ou de son beau-père, etc. etc. Et puis, la dernière proposition, c'est aucune. Je n'en tiens, de toute façon, je ne tiens pas mes résolutions de début d'année, donc je préfère ne faire aucune bonne résolution. Allez, vous pouvez cliquer en bas à droite sur l'onglet sondage et sur la réponse qui correspond à votre choix. Alors, est-ce que vous répondez ? Hop, je regarde où je vois les réponses de mon côté. Je ne vois plus le sondage. J'appelle. Hop. Où est le sondage ? Je ne vois plus le sondage, les résultats du sondage. Hop. Tu les as en direct. Les en direct, d'accord. Ok, ça marche. Ah oui, c'est parce que j'ai peut-être pas mettre le button. Alors oui, d'accord, ok, ça y est, je viens de comprendre, hein. Vous avez vu que j'étais un petit peu lent pour répondre, pour commenter un petit peu, donc vous nous avez mis quoi ? Vous nous avez mis en réponse D, acheter sobrement et d'occasion, ça tombe bien, on va en discuter aussi un petit peu après, manger mieux également. C'est Fouché qui sera content, c'est-à-dire de moins de viande, du bio, du local et de la saison. Et puis, le bilan carbone arrive en troisième position, alors que le « aucune » et le « la même qu'en 2021 » sont tout derniers, ce qui tombe bien, puisque les deux dernières sont plutôt des… et notamment la dernière, plutôt une résolution, c'est-à-dire on met le doigt sur des points de progrès plutôt à la marge, alors que les autres sont vraiment plus que des résolutions, des intentions. Et on se projette sur une vraie envie de changement, et ça, c'est quelque chose qui est hyper énergisant. Donc, merci beaucoup pour ce premier sondage, cette première question, et on va passer maintenant à la deuxième question, une question qui va faire un petit peu plus réfléchir, et on vous pose la question, d'après vous, par rapport à ces communications engagées, on vous a mis le choix de 4 communications engagées. Une avec le chat, une qui est sur Nature et Découverte, une sur Patagonia et une sur Biocop. Nature et Découverte, c'est celle du milieu, c'est la B, si vous voyez pas suffisamment bien. Eh bien, laquelle trouvez-vous la plus marquante ? Dites-nous laquelle vous trouvez la plus marquante. Pareil, sur le petit sondage. Et vous pouvez soumettre votre vote. Et visiblement, nos amis de Patagonia, de très très loin, font partie des communications engagées qui vous parlent le plus. Alors, est-ce que c'est lié aussi à la réputation de l'entreprise et à tout ce qu'elle fait, effectivement ? Sans doute, peut-être. Et on voit le chat, et ce n'était pas le chat machine, et ce n'est pas surprenant, qui arrive, lui, très 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 loin. Un peu plus surprenant, peut-être Nature et Découverte sur le Fair Friday pour concurrencer un petit peu le Black Friday et sortir de cette spirale infernale de la consommation du Black Friday avait une opération
plutôt sympathique, mais en tout cas, vos votes sont sans appel. C'est la pub de Patagonia qui, pour vous, que vous trouvez la plus marquante et sans doute la plus congruente par rapport à l'entreprise. Merci beaucoup pour ce temps d'inclusion et de connexion. Et donc, maintenant, on va pouvoir démarrer avec nos quatre témoins. Donc, qu'on vous a cité, Marine, Domiti, Édouard et Jérôme. Et ce que je propose, c'est de poser la première question qui va être forcément une question de présentation et de découverte. Donc, je vais vous inviter tous les quatre à tour de rôle à vous présenter vraiment très rapidement, qui vous êtes vraiment en quelques mots, à présenter aussi évidemment votre entreprise là également en quelques mots, et puis aussi et surtout ensuite dire un petit peu qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait lever le matin, qu'est-ce qui vous qui vous accroche comme ça sur les thématiques de la consommation responsable, sur les thématiques de l'économie responsable, qu'est-ce qui vous fait vibrer, dites-nous un petit peu ça et je vous laisse prendre la parole à tour de rôle. Qui est-ce qui se lance? Allez, Marine, je te lance. Eh ben, j'y vais du coup. Enchantée, je suis déjà ravie d'être ici parmi vous ce soir. Donc moi, je suis Marine, je suis CMO chez Foodcherry et Season depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Auparavant, j'étais chez Le Nôtre dans l'alimentation et encore avant dans les cosmétiques chez Caudalie. Je suis lilloise, maman d'un petit garçon. Et ce qui me fait me lever tous les matins, c'est d'essayer de rendre les consommateurs plus intelligents dans leurs choix, et en particulier forcément dans l'alimentation. Et je vais vous donner un petit chiffre clé qu'on utilise beaucoup chez nous, mais 25% de notre empreinte carbone provient de ce que l'on mange. Nous et moi particulièrement, je pense que c'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Et je pense aussi que c'est vachement plus facile de manger un petit peu moins de viande rouge tous les jours que d'arrêter d'aller en vacances, que de ne pas pouvoir se rendre au travail, de se rendre au travail à pied. Donc voilà, c'est ça qui me motive tous les jours, d'essayer d'informer et de rendre plus intelligents nos consommateurs. Super, merci beaucoup Marine. Et on va passer la main à Domiti à ce moment-là. C'est parti. Donc, Domiti, j'ai une bonne trentaine d'années. Je travaille chez Tape à l'œil. Et mon job, c'est de travailler les grands messages que l'on porte en tant que marque et notamment ceux qui concernent la RSE. Ce qui me fait lever le matin, moi, clairement, ce sont les enfants. Leurs paroles et réflexions tellement sages. J'adore passer des moments avec eux à discuter, à les écouter. Et on considère souvent que nous, adultes, on a énormément de choses à apprendre aux enfants. Mais eux aussi, je pense qu'ils en ont énormément à nous apprendre, presque autant que nous. Et on les considère souvent comme naïfs. Mais la naïveté, finalement, ce n'est qu'un regard neuf sur les choses et c'est tellement précieux. Donc voilà, c'est ce qui me fait lever le matin, les enfants. Merci beaucoup, Domiti. Je propose que Jérôme, tu prennes la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Et donc, Jérôme, je suis directeur général de Foodcherry. Moi, j'ai travaillé précédemment, notamment dans le groupe Sodexo, en France, aux Philippines, en Belgique. Et donc, je suis de retour aujourd'hui en France. Et moi, ce qui me porte, c'est cette conviction profonde que j'ai en moi depuis longtemps, que l'entreprise a un rôle clé à jouer au sein de la société, soit pour avoir un impact sociétal, soit pour avoir un impact environnemental. Je l'ai fait il y a quelques années au travers de projets de social business qu'on lançait. Et je pense que la révélation, ça a vraiment eu lieu aux Philippines, où j'ai vu l'impact sociétal qu'on pouvait avoir sur les Philippins et notamment tous les jeunes qui venaient des bidonvilles. Donc, j'ai commencé des actions fortes au travers de l'entreprise, qui n'étaient pas des actions de charité, mais comment on pouvait faire tourner une entreprise en insérant des jeunes qui venaient des bidonvilles. Et voilà, et cette conviction, je l'ai portée depuis en Belgique. Et puis, je pense qu'au cours de la soirée, je vous expliquerai pourquoi elle prend tout son sens aussi au sein de Foodcherry.
Et je ne sais pas si je présente Foodchéri. Oui, j'allais te le proposer, t'y inviter. Ouais, peut-être que tout le monde ne connaît pas notre entreprise, hein, Foodchéri. En fait, nous, on propose des repas livrés, que ce soit au bureau ou à domicile. On est ce qu'on appelle un acteur de la food tech. Donc, on fait de la food et on s'appuie sur la tech pour la distribuer. Et nous, on se considère comme une entreprise à mission avec... cette volonté, et Marine en a parlé tout à l'heure, de dire qu'on pense qu'il y a une autre forme d'alimentation qu'on peut proposer, qui soit bonne pour la santé, bonne pour la planète, et surtout très bonne aussi, donc c'est bon tout court. Et donc c'est ça qui nous obnubile au quotidien, et on va pouvoir le partager, le mettre en œuvre au sein des entreprises. Pour Foodchéri, ça sera sur Paris, Lille, bien sûr, Lyon et Bordeaux. Et ça va être soit par des repas livrés, comme je l'ai dit, soit par des comptoirs qu'on va mettre en entreprise pour pouvoir permettre aux collaborateurs de l'entreprise de profiter de nos repas, bons pour la santé, bons pour la planète et bons tout court, comme je disais tout à l'heure. Merci, Jérôme. Combien de personnes chez Foodchéri? Donc, on est 250 chez Foodchéri, et parce qu'en fait, on est restaurateur avant tout. En fait, on cuisine, on imagine nos recettes, on cuisine nous-mêmes le tout, on source nos produits auprès de producteurs. Donc, il faut pas mal de monde pour faire tout ça. Super. Merci beaucoup, Jérôme. Et je propose à Edouard de clôturer ce petit tour d'écran. Allez, salut à tous. Donc, moi, c'est Edouard. J'ai 49 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Et mon parcours, donc aujourd'hui, je suis le patron de Tape à l'œil. Et mon parcours, j'ai démarré sur le terrain au magasin chez Decathlon, donc entreprise que j'ai adorée, passionnée de sport. J'y ai passé 5 ans. Et puis après, j'ai switché chez Tape à l'œil. J'y ai fait une longue carrière entre le réseau, l'offre, les produits. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, je suis le patron de Tape à l'œil. Alors après, si je reviens sur ce qui me fait vibrer, je suis pas né engagé, en fait, mais je suis un consommateur qui est conscient et qui fait son chemin. Et un jour, en discutant avec ma fille, elle me dit « Écoute, papa, est-ce que je dois faire des enfants pour qu'ils vivent dans ce monde de merde ?» J'ai trouvé que c'était une question qui… Moi, c'est une question qui m'a marqué, qui m'a frappé. Du coup, j'ai quelque part envie de faire en sorte de contribuer à ce que le monde soit un peu meilleur ou qu'il lui donne envie, en tous les cas, de faire des enfants. Et si je reviens maintenant à Tape à l'œil, Tape à l'œil, on a une marque qui fait des vêtements pour les enfants, mais pas que. On a aussi quelques services qu'on propose et qu'on développe. Voilà. Aujourd'hui, on vend beaucoup de pièces chaque année. On vend 25 millions de pièces par an. Donc, c'est déjà conséquent. Et vous le savez tous, l'industrie de la mode, c'est une industrie qui est hyper impactante pour la planète. Donc, on a parlé longtemps d'impact environnemental, etc., de RSE. Et en fait, il y a 3-4 ans, on a décidé vraiment de mettre le paquet et d'essayer de le faire après cette prise de conscience. Et d'ailleurs, il y a une autre prise de conscience aussi, quelque part, c'est qu'un t-shirt, ça vaut parfois moins cher qu'un café. Et je trouve que ça, c'est marquant dans les réflexions, dans ce qu'on doit se faire comme idée du textile. C'est nous avons l'industrie de la mode, quelque part, fait de nos produits quelque chose qui a de moins en moins de valeur, et on doit quelque part s'engager à redonner la juste valeur aux choses et la juste valeur à nos t-shirts et à nos produits d'une manière générale. Super, merci beaucoup Edouard. Juste un chiffre comme pour Jérôme, ouais. Le nombre de collaborateurs. Ouais, Tape à l'œil, c'est 1000 personnes en globalement à l'intérieur de l'entreprise. Et après, on a, je dirais, 400-500 personnes qui travaillent aussi, puisqu'on a une partie de nos magasins qui sont en partenariat, donc 500 personnes à peu près chez nos partenaires en France et à l'étranger. Voilà, et on a à peu près 300 magasins. D'accord, merci beaucoup. Merci Edouard. Alors maintenant, on vous propose peut-être de regarder un petit peu plus précisément donc, la situation et les enjeux, de quoi on parle exactement. Donc avec la question, que représente la communication de votre marque et quel est son périmètre, alors que ce soit aussi bien au niveau du produit, de l'étiquetage, du marketing ou aussi des réseaux. Et concrètement, en fait, comment vous parlez des enjeux environnementaux à vos clients? Et je vais passer la parole d'abord à Foodchéri avec Jérôme. Oui, merci. En fait, nous, en termes de périmètre de communication, ça va être sur tous les points de contact qu'on a avec nos clients.
Je crois qu'on avait quelques visuels à partager à ce sujet. Donc, globalement, quand les personnes passent commande, elles vont passer souvent par le site Internet. Et donc, au travers du site Internet, on va avoir, c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant, on va avoir la présentation justement de ces engagements où on va expliquer quelle est notre mission dont je parlais tout à l'heure en tant qu'alterfoodiste, on considère comme alterfoodiste pour proposer cette nouvelle forme d'alimentation. Et puis, on va partager les décisions fortes qu'on prend et derrière, on explique ces décisions aussi aux consommateurs. Donc, on le fait au travers de ce site Internet. On le fait également, il va y avoir un deuxième support, évidemment, dans toutes les fiches produits sur les recettes. En fait, notre credo, c'est d'être transparent sur tout, donc sur ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Et donc, au travers, si on passe à la deuxième vidéo, au travers des fiches produits, on va pouvoir présenter quel est l'éco-score de chacune des recettes qu'on présente. Donc, l'éco-score, c'est un score qu'on a créé avec un collectif de start-up il y a un an. On va présenter le Nutri-Score, mais on va aussi présenter l'origine des produits. Est-ce que c'est des produits de saison? Alors, ils sont tous de saison. Mais est-ce que ce sont des produits bio? Est-ce qu'ils sont labellisés? Donc voilà, tout est présenté avec beaucoup de transparence dans ces fiches produits. Évidemment, on va le retrouver aussi dans tout ce qui est nos contacts en termes de réseaux sociaux. On va pousser une nouvelle recette, les nouvelles décisions qu'on prend. Et puis, on va utiliser nos newsletters aussi en termes de pédagogie vis-à-vis de nos clients pour leur expliquer en quoi l'alimentation, comme le disait Marine, a un impact sur l'environnement et qu'on peut changer la donne trois fois par jour hein, par un geste simple qui est de choisir différemment, peut-être de manger moins de viande, etc. Et puis, on fait aussi des actions de communication. Si on passe aux affiches métro, hein, mais dans des campagnes qu'on va faire, donc de notoriété. Donc, on a des campagnes dans le métro. Si on peut passer, effectivement, peut-être je vais pouvoir le passer moi-même pour vous montrer. Voilà. On avait fait une campagne dans le métro. Vous voyez ici, avec un ton assez militant, hein, l'objectif, hein, c'est de créer un peu un wake-up call, un momentum pour les personnes en disant tiens, mais c'est quoi la communication qu'il y a derrière? Donc, on parlait de à bas l'ancien régime alimentaire, stop aux légumes migrateurs pour évidemment promouvoir la consommation plus locale. Un point autour de l'Italie. L'Italie nous en veut, la planète en demande parce qu'on sortait nos spaghettis qui n'étaient plus faites à base de bœuf, mais avec du poulet qui a un impact environnemental beaucoup moins élevé, évidemment. Donc, voilà, donc on va le retrouver au travers de nos apps également. Et puis, on peut avoir des derniers supports de communication. Récemment, il y a les éditions Marabout qui nous ont approchés en disant mais est-ce qu'on pourrait parler avec vous et sortir un livre sur ce serait quoi manger mieux demain, c'est quoi vos convictions profondes. Et puis on a sorti ce livre et puis on a pu montrer au travers ce livre, donc faire de la pédagogie encore vis-à-vis de nos consommateurs, mais aussi expliquer qu'en fait on pouvait se faire super plaisir en mangeant mieux demain. Donc voilà, donc c'est tous ces points de contact qui fait qu'on est en lien avec nos consommateurs et qu'on va pousser nos engagements à chaque étape. Merci Jérôme pour ces exemples hyper concrets. Tape à l'œil, est-ce que vous avez envie également de nous présenter les sujets? Ouais, carrément. Alors, on vous montrera des visuels juste après des campagnes qu'on fait sur un autre sujet. Mais globalement, effectivement, nous, le produit, c'est super important et on croit beaucoup à la communication produit en matière d'engagement environnemental pour engager les clients. On a écrit et constitué un label qui s'appelle EcoDesign qu'on applique sur nos produits. Aujourd'hui, ces produits EcoDesign, c'est 48% des produits qu'on aura vendus en 2021. Donc, ça fonctionne plutôt bien et ça met en avant l'éco-conception à l'intérieur de nos magasins, la composition des produits, et c'est un petit, on n'a pas voulu rajouter d'étiquettes sur nos produits parce qu'on va au bout du geste, et donc on a utilisé les étiquettes produits pour venir appliquer le label EcoDesign de manière évidente. Ensuite, c'est le marketing dans son ensemble, hein, l'ambition responsable fait partie des engagements de la marque, et on a la volonté de parler de ce qu'on fait et pas de ce qu'on projette de faire, c'est-à-dire que on est plutôt sur des communications de « j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a avancé, on a fait des pas en avant, on n'est pas sur « demain, on va révolutionner ceci ou cela ». C'est tout de suite et c'est maintenant.
La troisième chose, c'est les supports, c'est beaucoup digital et social. Hein. Le site internet, évidemment, est le cœur un des cœurs de notre communication, mais on est surtout, avant tout, social et communautaire. Nous, on est très engagés sur les réseaux sociaux. On a de nombreux fans et sur Facebook et sur Instagram avec lesquels on dialogue. On a des communautés, on a une communauté globale qui est animée par les équipes marketing, mais on a aussi des communautés à côté de chacun de nos magasins. C'est-à-dire que chaque responsable de magasin anime sa communauté en local et diffuse ses messages, accompagne ses clients. Voilà. Et après, on fait également, en termes de marketing, des campagnes plus importantes, mais une nouvelle fois, pas d'affichage, pas de publicité, uniquement du digital. Pour nous, c'est notre manière de communiquer. On a également créé des services. On a mis en place un service chouette qui est la seconde main. On a lancé une application qui s'appelle New Life. On a été une des premières marques finalement à lancer cette application il y a un bon moment déjà, qu'on a intégré à l'intérieur de notre écosystème pour permettre à nos clients de vendre leurs produits, pour essayer de passer d'une économie de la possession à l'économie de l'usage. On a encore plein de choses à faire mieux aujourd'hui sur cette application. Mais il y a... En temps réel, il y a 90 000, 100 000 annonces disponibles et ça a permis à nos clients de revendre une partie de leurs pièces. Donc, c'est génial et on est content pour ça. Et puis enfin, c'est aussi de la communication interne parce que l'idée, c'est d'avoir une vraie action pédagogique auprès de nos collaborateurs pour les embarquer dans ce sujet de l'impact environnemental de Tape à l'œil et de sa diminution. On a raconté le sens, notre engagement, et puis ça nous permet aussi de mesurer, on a envie de mesurer l'engagement de l'entreprise dans les yeux des collaborateurs, au travers d'un NPS qui régulièrement nous permet de mesurer si les collaborateurs considèrent comme réel l'engagement de l'entreprise dans ces combats-là. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup progressé cette année dans la perception de nos collaborateurs autour de l'engagement de Tape à l'œil. Top. Bah, merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces précisions. Alors moi, je me demande en fait pourquoi et dans quelle mesure c'est important de parler consommation responsable à chacun de vos clients. Quels sont les enjeux en fait de cette communication? Ouais, je vais garder le fil et puis après je passerai la main évidemment. Mais alors moi, je me souviens avoir vu une conférence d'Arthur Keller qui était avec des dirigeants, etc. Et puis il avait dit à la fin de sa présentation, il y a un enjeu immédiat et majeur. Et en même temps, vous êtes des marques, vous êtes des dirigeants, vous avez un pouvoir d'action, de décision, de communication, un rayonnement beaucoup plus fort que le commun des mortels quelque part. Et donc, du coup, vous devez utiliser ce pouvoir de communication pour convaincre les clients, les gens d'une manière générale de s'engager et de faire différemment. Donc, c'est le premier truc qui m'a donné envie de communiquer vers nos collaborateurs et vers nos clients. Et après... factuellement, les attentes des clients, elles sont en train de changer. Alors, pas partout, pas toujours au même rythme pour tous, ça c'est sûr, mais elles sont en train de changer. C'est une vague vraiment durable. Les clients veulent acheter des produits plus responsables. Je pense que sur la food, par exemple, ça a peut-être bougé avant. L'énergie, c'est en train de bouger. Les cosmétiques, ça a bougé. L'automobile, il y a un virage. Et aujourd'hui, dans la mode, il faut se bouger parce que la mode est un des produits les plus impactants. Donc, la problématique ou l'enjeu, un des enjeux, c'est que les clients, finalement, ils font peu confiance aux marques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'engagements qui ont été pris. On en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas grand monde qui a globalement fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs ce contre-pied de dire « Nous, on ne va pas vous parler de tout ce qu'on va faire pour dans 5 ans, en fait. » On va vous raconter juste le chemin qu'on parcourt parce qu'on a considéré que nos clients, ils sont comme nous au final. Il y a 4 ans, on en parlait, on ne faisait rien. Bon, aujourd'hui, nous, on a décidé de le faire et on a décidé d'embarquer nos clients avec nous à notre mesure et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, Théo doit faire sa part. Le schéma, c'est globalement, est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on est en marche? Oui. Et l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de donner des leçons à nos clients. L'idée, c'est bien d'être moteur, d'être engagé, de partager notre envie, nos convictions, l'envie de le faire ensemble. Voilà. On a décidé aussi de prendre des positions claires, parfois un peu courageuses. Parfois, les clients, on n'est pas sûr qu'ils nous
qui nous suivent toujours. En tous les cas, quand on prend ces positions, il y a une grosse partie de nos clients qui nous suivent, mais ça, il y a une partie des clients pour lesquels il y a des réactions qui sont parfois pas évidentes à gérer. On vous la racontera aussi. L'enjeu, en tous les cas, c'est vraiment de rendre accessible un produit textile de valeur et de s'assurer par la pédagogie, par la transparence, de pousser à une consommation plus durable, vraiment. Bah, bravo déjà, Edouard, pour ces premiers pas. Domiti et Jérôme, peut-être, pour Food Chéri. Oui, Marine, si tu veux, je vais prendre la question. Nous, je pense qu'on a une approche qui est un petit peu différente. C'est que, en fait, au cœur de notre mission, donc au cœur de notre produit, on a cet engagement. Donc, en fait, quand on se pose la question de en quoi c'est important de parler consommation responsable, c'est simplement parce qu'on parle de nos produits. Nos produits, ils sont responsables par nature. Donc, notre difficulté, elle est peut-être à un autre niveau. C'est d'expliquer ce qu'on fait, nos décisions, d'essayer d'éduquer nos consommateurs sur pourquoi 50% de notre carte est végétarienne. Donc, pourquoi on fait des choix de ce type-là, qui sont des choix osés hein, par moment. Donc, c'est vraiment, d'expliquer ce qu'on fait donc au travers de cette communication et donc de montrer en quoi cette consommation responsable, elle est bonne pour la personne, bonne pour la planète. Et puis, la deuxième chose, c'est une fois que cette personne a plus d'informations sur les enjeux, c'est de lui donner les informations en toute transparence sur comment faire un choix en pleine conscience. C'est-à-dire que quand on présente un éco-score, donc évidemment, on va proposer, nous, 9 plats sur 10 qui vont être en éco-score A ou B, mais on peut proposer parfois un plat qui va être en éco-score C ou D. Hein. Et bien, dans ce cas-là, la personne, au moins, fait un choix en conscience et elle sait qu'en choisissant ce plat-là, ben, elle a peut-être un impact moins responsable. Donc, ça se situe vraiment à ce niveau-là. Donc, notre communication, c'est simplement notre communication responsable, c'est simplement la communication sur le produit et la promotion de notre mission. Okay. Super. Merci beaucoup également, Jérôme, pour ce partage et sur la notion de… Tu as insisté sur le côté osé, sur le côté pédagogie également. Merci beaucoup pour avoir planté le décor, le périmètre et puis derrière les enjeux. On va vous parler aussi maintenant un petit peu plus des difficultés qui peuvent être rencontrées, des impacts également derrière de vos démarches. Et une question qu'on avait envie de vous poser, c'était forcément, elle devait arriver à un moment, sur le côté greenwashing et les risques de greenwashing, avec cette ambiguïté qu'il peut y avoir de communiquer, de parler, de porter une consommation responsable quand on est une entreprise où forcément, pour aujourd'hui, retail dans le textile ou dans la restauration, on n'est pas forcément tout vert. Et donc, voilà, comment vous faites pour ne pas tomber dans ce greenwashing? Qu'est-ce que vous renvoie à vos clients? Est-ce que vous avez aussi des anecdotes, peut-être des fails, des réussites par rapport à ça? Ça peut être intéressant de partager, si ça vous va. Yes. Déjà, effectivement, on est une entreprise impactante. Alors, quand on mesure notre impact environnemental, il est conséquent. On a fait un bout de chemin pour le réduire, significatif, je vais parler de 10% d'impact environnemental en moins dans les mesures qu'on a réalisées sur les deux dernières années. Donc, c'est en même temps, c'est conséquent et en même temps, il y a un max de chemin à faire. Donc, on ne va surtout pas se la raconter. On va rester humble, mais en tous les cas, on agit effectivement. Quelque part, aujourd'hui, il y a des marques qui démarrent vertueuses, des marques vertueuses qui démarrent from scratch. Et moi, je trouve ça génial, j'adore ça. En fait, ils inventent un nouveau modèle. Nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est 26 millions de pièces par an. Donc, c'est beaucoup de pièces. Et donc, changer un business model qui existe depuis plusieurs décennies, ses conséquences, c'est difficile, surtout quand ça vend 26 millions de pièces. On doit vraiment trouver comment réinventer ce modèle sans le détruire. Et ça prend du temps. L'avantage, c'est que quand on bouge quelque chose, globalement, quand on achète 26 millions de pièces, l'impact, il est très fort. Et potentiellement, quand on économise de l'impact, c'est multiplié par le nombre de pièces qu'on vend. Alors, d'autres en vendent beaucoup plus que nous, mais 26 millions, c'est déjà pas mal. Et en fait, du coup, par exemple, on a décidé de travailler sur tout ce qui est plastique. Et donc, on a diminué notre impact de 88
tonnes juste cette année, 88 tonnes de plastique en moins parce qu'on a décidé de les supprimer à l'intérieur de nos colis, etc. Donc, quelque part, on doit trouver comment assumer notre empreinte environnementale en partageant les axes de progrès et les résultats chiffrés de nos démarches. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, pour communiquer, honnêtement, il faut être parfois un peu courageux hein, parce qu'il y a une forme d'impatience autour de ces sujets-là. Comme je le disais, il y a une forme de violence même qu'il faut quand même un peu intégrer et on va vous raconter une petite expérience qu'on a faite. Cette violence, c'est quand même aussi, elle est un peu légitime parce qu'elle est liée au foutage de gueule qu'il y a eu pendant des années sur ces sujets-là. Mais néanmoins, il faut quand même y être un petit peu près. Donc du coup, moi, je prends cette violence comme une volonté très forte de faire avancer les choses. Et après, derrière, l'extrémisme, ça alerte quand même un peu. Mais après, quand on a alerté, maintenant, il faut agir, il faut avancer. Et Domiti, elle va vous raconter, elle va vous partager à la fois les campagnes qu'on a pu faire et puis derrière, ce qu'on a vécu au moment où on a supprimé le Black Friday pour en faire un Green Friday. Eh bien, parlons-en justement, Domiti. Allez, est-ce que tout le monde est bien installé confortablement? On remonte donc. Ah oui, vous pouvez lancer les slides. Donc là, on est en 2020. Donc, c'est la première fois qu'on a décidé vraiment de prendre la parole sur le sujet, sur nos petits pas vers une mode plus responsable. Hein, chaque mot compte. Hein, vous remarquerez que le petit est entre parenthèses. Depuis cette année-là, tous les ans à la même période, donc ça va être la troisième fois qu'on va le faire, on lance donc un grand rendez-vous annuel à nos clients. Là, le premier, donc en 2020, on l'a appelé Faire sa part, donc saison 1. On a emmené 4 enfants avec qui on a beaucoup parlé de l'eau que l'industrie textile maltraite. On ne peut pas parler de tous les sujets, donc on en a choisi un pour commencer. Et là, vous voyez Edouard sur la photo aussi qui nous a rejoint avec les 4 enfants et avec lesquels on a mené un grand échange pendant toute une demi-journée. Enfin, c'était pour écouter encore une fois les enfants et leurs idées. On peut passer à la slide suivante. Ça, c'était l'année dernière. Là, on a emmené une bande d'enfants encore avant. Une bande d'enfants au cœur de la conception produit. On leur a proposé d'imaginer leur vêtement idéal. Donc, ils sont partis sur une salopette. Et ensuite, quand la campagne est sortie, on a offert ce patron en cadeau à tous nos clients et non-clients, hein, enfin, tout le monde qui le voulait bien. Et puis, derrière, en fait, ce qu'on cherchait derrière ça, c'est inviter nos clients à expérimenter une autre forme de consommation ludique et pédagogique. Parce que quand on se rend compte du temps que ça prend et du savoir-faire qu'il faut pour fabriquer un vêtement, on en prend bien plus soin derrière. On ne s'attendait pas à un tel succès pour ce patron de salopette. On a eu 50 000 téléchargements en quelques semaines, alors que voilà, on l'avait pas non plus crié sur tous les toits, mais en tout cas, ça a vraiment bien plu. Et là, en 2022, donc là, ça sort là dans quelques jours, enfin à la fin du mois. Là, on est parti sur la création de contenu simple, accessible et ludique autour de l'entretien du vêtement. On est parti sur des vidéos crash test pour détacher de manière naturelle les vêtements, de la teinture végétale, etc. Et puis, on a lancé notre podcast aussi l'été dernier. Et le prochain épisode s'appelle « Comment faire rimer écolo et rigolo ». Donc là, on le traite plus de manière ludique, accessible. Et puis, on essaye toujours de faire en sorte aussi que ce soit des sujets qui puissent parler à des enfants. Et donc, on les rend le plus accessibles possible. Voilà. Et alors, la suite de l'histoire, tu peux passer la slide suivante. Donc ça, c'est notre fameux poste on ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de succès. Hein, je mets succès entre guillemets. Donc, c'était le 1er décembre 2020. Et donc, on a communiqué sur notre décision de ne pas faire de Black Friday. Tollé général dans l'Assemblée. Un tollé général. Disons que, voilà, on a passé, je ne sais plus à quelle heure on l'a publié, mais en tout cas, on a passé les quelques heures qui ont suivi la publication du poste à suer des gouttes derrière nos ordinateurs. Mais moi, personnellement, j'ai adoré ce moment. Avec le recul, ça a été un moment clé dans notre communication et dans notre manière de communiquer. On a appris déjà, un, à garder notre calme.
et à savourer finalement ces moments de franche discussion avec nos clients. Et ça nous a permis aussi de prendre la température de ce que nos clients connaissaient ou non des enjeux environnementaux liés au textile. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, enfin, il y en avait beaucoup qui faisaient que répéter des on-dit ou des croyances entendues de ci, de là, mais c'est bien normal. Le sujet est vraiment pas simple et bourré de contradictions. Et voilà, et donc on a pris le temps, donc on a pris le temps de répondre à vraiment tous les commentaires. Je ne sais plus à quelle heure on s'est couché ce jour-là. Et on en a sorti 4 qui étaient le plus représentatif, on va dire, de ce qu'on avait reçu comme commentaire suite à ce poste. Donc le premier, commencez par faire fabriquer vos vêtements en France et après on en reparlera. Le reste, c'est bidon. Franchement, j'achète uniquement Tapaloy quand il y a des promos. Si vous en faites moins, j'irai voir la concurrence. C'est tellement mieux de faire raquer les gens plein pot, l'écologie à bon dos. Et si la bonne démarche militante était de ne pas en parler, sinon ça fait coûte comme votre truc. Donc on est parti sur ces 4 commentaires là et quelques semaines plus tard on les a repris et on les a décortiqués et on a pris le temps de répondre point par point à chacun de ces commentaires. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc on a repris le commentaire en question tel quel, on l'a vraiment laissé avec tout, voilà. Et puis en quelques écrans on a répondu. Donc là on vous a mis que le premier, mais il y en a 3 autres, donc je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais vous voyez que voilà, on a vraiment essayé d'être le plus honnête, le plus transparent, le plus pédagogique, le plus ludique. On a essayé de glisser quand même des petites blagues de ci, de là pour que ce ne soit pas désagréable à lire. Et puis voilà, on a essayé d'être le plus clair possible. Super. Je finis juste, hein. Je sais que je suis un peu longue. Non, mais c'est super intéressant, nos meetings. Donc, la conclusion, c'était toujours ça, parfait, toujours pas un peu meilleur, oui. Et je pense que Ludovic, du coup, ça va répondre à une de tes futures questions, donc tu auras pu à nous la poser si tu veux, si ça te permet de gagner du temps. Et en fait, les réactions des clients derrière, alors, il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu ceux qui ont facilité, qui ont félicité la démarche. Il y a eu les pas contents du tout. Qui sont pas là pour discuter et on n'essaye même pas. Il y a eu des clients qui proposaient des idées, des vraies idées très intéressantes. Il y a eu d'autres clients qui avaient des vraies questions et très pointues et qui voulaient engager le débat et c'était très intéressant. Et puis après, on a reçu quelques pavés en message privé, mais auxquels on a répondu à tout et nous, c'était des insights dingues pour nous. Voilà, et ah oui, un dernier petit truc, et après j'ai fini, promis. Mais bien sûr, Dominique. Petite astuce, retour d'expérience, c'est qu'en fait, pour être sûr que nos réponses, les fameuses grandes réponses aux questions, étaient claires et bien perçues, on les a testées sur notre panel de clients du Family Lab, donc c'est à peu près 1000 clients, et en fait, on leur a d'abord posté à eux, et ils nous ont remonté ce qu'ils ne comprenaient pas, ou ce qui les choquait, ou etc., et on a ajusté en fonction. Super, merci beaucoup Domiti pour cette explication sur le rebond du Black Friday, sur le fait que ça peut effectivement impacter derrière, enfin, visiblement ça impacte directement un certain nombre de choix au niveau de l'entreprise, voire de business model. Merci, je vais revenir donc maintenant vers Fuchieri. Sur la même question, est-ce que le greenwashing effectivement c'est une préoccupation de votre côté sur comment vous faites pour ne pas tomber dans ce risque de greenwashing? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager par rapport à ce sujet? Alors, pour nous, ce n'est pas vraiment un enjeu aujourd'hui, parce que c'est ce que vous disiez, Jérôme, tout à l'heure. On est un peu dans une logique inverse. On essaye de faire du marketing avec nos engagements, ce qui est plutôt facile, mais parfois difficile. Et comment on arrive à ne pas tomber dedans? Je pense qu'il y a 4 clés chez nous qui sont importantes. C'est un, qu'on accepte et qu'on parle souvent de nos paradoxes. On n'est pas parfait, on le sait et on ose le dire et on ose surtout expliquer, je crois que tu disais tout à l'heure Domiti, pourquoi on n'est pas parfait et par quel chemin on va arriver à être parfait. Le deuxième, c'est que sur toutes nos décisions qu'on prend, on donne toujours des preuves, on va toujours expliquer, on va aller dans le détail et ça permet de ne pas tomber dans des grandes opérations marketing. Je sais pas, à titre d'exemple, nous, on a fait le choix de ne pas être 100% bio parce que ce n'est pas vraiment la meilleure décision d'un point de vue environnemental et d'un point de vue financier. Et ce que le client est aussi prêt à payer, et ben ça, on va aussi l'expliquer au client et on ne va pas utiliser le 100% bio parce qu'on est peut-être à 80% bio aujourd'hui. Et le troisième
levier qu'on utilise, c'est qu'en fait, on investit, je crois que Jérôme le disait tout à l'heure, mais pas mal de temps et pas mal d'argent. Donc, en fait, quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc, à titre d'exemple, le livre qu'on a écrit quand on a été contacté par Marabout, clairement, je ne vous conseille pas de faire un livre, ça coûte hyper cher. Chez nous, ça a mobilisé presque 4 personnes de l'équipe marketing pendant 6 mois. Mais c'était, encore une fois, un super outil de com pour expliquer comment on pourra mieux manger demain, quels sont nos tips, quelles sont nos astuces. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce livre. Et surtout, le dernier, je pense que ce sera sûrement un de nos conseils de ce soir, c'est d'oser, de prendre des risques et d'aller au bout de ses convictions. Et chez Food Chéri, on le fait assez bien parce que, à titre d'exemple, on a décidé d'arrêter de commercialiser du bœuf il y a un peu plus d'un an maintenant, qui était 20 à 25% de notre carte. Donc, on a mis quand même en péril pas mal de chiffres d'affaires. À partir de demain, on a aussi décidé d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau en plastique. Alors, pour un restaurateur, ça reste compliqué parce que c'est du chiffre d'affaires qui ne va pas rentrer. Mais on est convaincus, avec Jérôme et avec le reste des équipes, qu'au final, on va gagner des clients. Au final, on va avoir la confiance de nos clients. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent en ayant arrêté le bœuf et d'autres ingrédients qui étaient néfastes pour la planète. On n'a pas perdu de chiffres, bien au contraire, la croissance a suivi. Donc voilà, je pense que le consommateur, si on lui explique bien, si on le prouve bien, si on le fait de façon intelligente et de façon continue, il n'y a pas de raison qu'il se désintéresse à la marque sur le long terme, bien au contraire. Super. Et après, j'ajouterais juste quelque chose, je pense qu'il peut aussi vous servir, c'est que nous, on est aussi, ce que je vous disais, on a pas mal de paradoxes, mais comme la plupart des marques. Et ce qui est difficile parfois, c'est entre les attentes des consommateurs et ce qui se passe dans la vraie vie. Et nous, par exemple, on a pas mal de clients qui vont critiquer, à juste titre, l'emballage, la livraison de repas, etc. Même si l'impact est assez faible par rapport à la proportion de, enfin, à l'assiette, à l'empreinte environnementale dans son assiette. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand on met des solutions chez nous, au début, il y a toujours un petit groupe de réfractaires. Et je pense que vous avez eu la même expérience chez Tape à l'œil. Nous, là, on lance dans les entreprises où il y a des cantines Food Chéri que de la consigne. Donc, vous n'avez que vos repas dans des emballages consignés. Et pour utiliser la consigne, il faut payer 2 € de plus, ce qui est rien. Hein. La consigne, ça coûte bien plus cher. Et ben, aujourd'hui, on a pas mal de réfractaires sur le fait de payer 2 € en plus. Et c'est toujours assez déroutant parce que en tant que marque, on pourrait se dire, voilà, si le consommateur, ça ne lui plaît pas, il faut arrêter. Et mon conseil, c'est plutôt de persévérer. Au bout d'un moment, il va s'habituer. Et parfois, il faut prendre des actes forts pour imposer au consommateur ces choix-là pour le rendre, pour avoir une consommation un peu plus intelligente. Et voilà, c'est assez déroutant, ce que j'appelle la schizophrénie un peu du consommateur. Merci Marine, en tout cas, pour ce partage. Et c'est génial parce que vous avez plein de choses à dire, donc c'est passionnant. Forcément, on dérape légèrement au niveau timing, mais ne vous inquiétez pas, on a l'habitude et on se fait fort à chaque fois dans les webinaires sans transition de finir à l'heure. Donc, on finira à l'heure et on laissera aussi une place pour les questions que vous avez. Je vois que déjà dans le petit onglet questions, il y a pas mal de choses qui remontent. N'hésitez pas à les liker aussi au fur et à mesure. C'est très simple et ça permettra de poser les bonnes questions le moment venu. Alors, je vais accélérer un tout petit peu et condenser les questions suivantes qu'on avait prévues pour ensuite relaisser la parole à Priscilla pour la fin des questions. Moi, j'aurais toujours peut-être pour Food Chéri, puisqu'on en a parlé aussi un petit peu avec Tape à l'œil, mais n'hésitez pas ensuite à rajouter si nécessaire. Mais par rapport à ces remontées clients, justement, à ces exigences des clients, comment elles font bouger le business? Est-ce qu'elles font bouger? Comment font-elles bouger le business de l'entreprise? Ou est-ce que le business de l'entreprise est déjà tel qu'il est là, suffisamment solide et orienté responsable pour ne pas être influencé, entre guillemets, par les remontées clients? Qu'est-ce que vous pouvez, et peut-être Jérôme, à ce moment-là, là-dessus, partager autour de ça? Oui, tout à fait. Typiquement, je pense que on a des remontées clients et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une question autour de ce sujet, autour de nos packaging. C'est vrai que quand on fait de la livraison de repas livrés, aujourd'hui on utilise des contenants qui sont jetables. Et voilà, dans le monde aujourd'hui, d'avoir du jetable, même si c'est recyclable, etc., c'est pas une chose qui est bonne. Alors, la première chose. On essaie de redonner un petit peu de perspective aussi par rapport à ça, en se disant que comme on souhaite vraiment avoir un impact sur notre empreinte carbone, hein, qu'on a mesurée, on sait que
Aujourd'hui, quand on livre un plat, il y a 6% qui va venir du packaging, d'empreinte carbone, 7% qui va venir sur la logistique, la livraison. Et donc, il y a 87% qui va venir de la food qui a été choisie dans le cadre du plat qui va être consommé. Donc, c'est pour ça que notre priorité, et Marine l'a très bien partagé, elle est de s'attaquer surtout à la food, de proposer plus de plats végétariens, de supprimer le bœuf, etc. N'empêche qu'on se dit que nous, on a ce point du jetable qu'il faut qu'on adresse. Donc, on se dit, c'est sûr que ce n'est pas acceptable pour nous. Et donc, on appelle ça nos paradoxes. Il faut qu'on gère nos paradoxes aussi sur le sujet. Et on se rend compte que là-dessus, alors soit on est sur des solutions en entreprise et on va travailler, comme l'a dit Marine, sur du réutilisable, donc de mettre en place la consigne. Mais là aussi, le consommateur veut que ça change et en même temps, il n'est pas prêt à payer sa consigne même s'il se la fait rembourser. Donc ça, c'est toujours un point un peu difficile. Et puis, la deuxième chose, on voit aussi qu'il y a des choses qu'on aimerait faire bouger mais qui ne dépendent pas que de nous. Et ça, ça nous amène de plus en plus à travailler avec notre filière amont-aval. Donc, dans le cas du packaging, on va travailler avec les fabricants de packaging pour voir ce qu'on est capable de faire, ou dans le cadre aval, c'est-à-dire que si on commence à déployer du réutilisable sur des personnes qu'on va livrer en tant que particulier, bah, il faut qu'il y ait une logistique de retour qui soit mise en place avec des partenaires avec qui on travaille, comme ChronoFresh par exemple, mais aujourd'hui ils ne sont pas prêts pour ça. Donc on voit bien que le consommateur nous fait bouger, on essaie d'expliquer pourquoi on choisit certaines priorités et en même temps on explique aussi, on accepte ces paradoxes et on voit bien que sur certains, eh ben, on est obligé de travailler avec toute la filière et donc ce changement, il passera par cette approche intégrée de toute la filière et on n'hésite pas à travailler aussi avec nos concurrents quand on pense que ça a un impact positif globalement, on se dit à la limite c'est mieux si tout le monde le fait, donc dans ce cas-là on va travailler et on fait partie aujourd'hui d'un collectif qui travaille avec le ministère de la transition écologique justement sur ces aspects de packaging réutilisable. Super, merci Jérôme, c'est très très clair. Je vais relaisser la parole à Priscilla pour la suite des questions à ce moment-là. Yes, donc merci. Vous avez effectivement commencé à nous parler de quelques clés de succès pour passer à l'action. On aimerait là en savoir un petit peu plus justement sur les apprentissages que vous auriez envie de nous partager sur vos expériences passées et actuelles et puis nous dire aussi quelques mots sur les challenges à venir. Peut-être Edouard. Alors, okay. Allez, mon micro, ouais, c'est ça, exactement. Écoute, je dirais qu'il y a quatre les apprentissages. La première chose, premier apprentissage, je pense qu'il y a le côté authentique. Aujourd'hui, quand on dit la vérité, en fait, il n'y a pas de sujet. Et aujourd'hui, on a vu tout ce qu'on a partagé, ça a été des gros challenges. Et la marque, on a reçu le label cette année de la meilleure relation client sur tout l'univers fashion. Et sur le critère authenticité, tape à l'œil, c'était la marque numéro un dans l'enquête. Donc, du coup, ça veut dire que les clients, quelque part, ils se sont dit, ces mecs, ce n'est pas des vendeurs de tapis, ils disent la vérité et c'est important pour nous, c'est de ça dont on a besoin en premier. Donc, moi, je dirais, je parlerais d'authenticité, je parlerais de dire la vérité, plutôt des faits que des engagements futurs. Je dirais aussi, je parlerais bien d'humilité parce que je pense que dans ces sujets-là, c'est tellement compliqué, on n'a pas les solutions à tout, etc. Donc, il faut qu'on reste humble dans la posture parce que je crois qu'on peut pas donner de leçons. Et puis le dernier truc, c'est qu'il faut quand même un petit peu de courage. Il faut le courage d'affronter la vérité et même d'aller chercher, comme l'a super bien raconté Domiti, d'aller chercher derrière ces fights peut-être ou cette tension d'aller chercher les problématiques, de les lever avec précision, et ça permet du coup de se donner envie de les régler, quoi. Voilà, et je trouve que ça, dans l'apprentissage, on pouvait flipper quelque part de la réaction de nos clients, et quelque part on a essayé d'en faire une force, une nourriture faire bouger l'entreprise. Et après, nos challenges à venir, je dirais qu'il y a, nous aussi, on a un challenge autour de quelque part, la première chose, c'est l'évolution des matières premières aujourd'hui. Nous, et toutes les matières premières, notamment éco-responsables, elles ont pris beaucoup, beaucoup, elles sont très chères aujourd'hui. Donc, du coup,
comment maintenir notre roadmap éco-design dans le contexte où les prix montent très très fort sur ces matières-là qui sont très demandées parce qu'il n'y en a pas assez pour mettre dans tous les produits. Je le disais tout à l'heure et tout au début, comment redonner la juste valeur à nos produits quand un t-shirt vaut moins cher qu'un café, je pense que ça c'est un bon défi. Et pour donner envie aux clients d'acheter des produits de bonne qualité, il faut être capable d'afficher la qualité de ces produits quelque part de manière homogène. Un t-shirt, ça paraît être un t-shirt. Nous qui connaissons bien le produit textile, vous avez des t-shirts à 1 euro, 2 euros, 10 euros, 5 euros, ce n'est pas les mêmes en fait. La composition produit n'est pas la même, l'épaisseur des matières, etc. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un référentiel qui permette aux clients de se repérer comme vous l'avez sur la food avec A, B, C, D, E. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire la même chose pour le produit textile. Et nous, on est très engagés là-dessus. On travaille avec le ministère du Développement Durable, etc. pour contribuer à ça avec Decat et d'autres marques qui sont dans ce projet. Et puis le dernier défi, bon, il y en a plein d'autres, je pourrais en parler de plein, mais moi, il y en a un qui me tue, c'est le tout gratuit et le toujours moins cher, toujours plus rapide. Moi, je lutte contre ça. Je pense qu'à un moment, le tout gratuit, c'est un leurre. Si on t'offre quelque chose, normalement, dans un business, c'est que tu l'as payé avant autrement. Et je trouve qu'on devrait être transparent. Parce que quand quelque chose est gratuit, on ne mesure pas l'effort qu'il y a derrière, on ne mesure pas les conséquences environnementales que ça peut avoir. Moi, le transport gratuit, je trouve ça scandaleux. Chez Tape à l'œil, il n'y a pas de transport gratuit. On peut aller chercher sa commande gratuitement en magasin, mais le flux de transport, il est quotidien. Quand on veut se faire livrer chez soi, ce n'est pas gratuit. On souhaite que ce soit payant pour que les clients puissent mesurer que quelque part, c'est un véritable travail, un véritable effort. Voilà, ça fait partie des challenges sur lesquels on mène une forme de combat. C'est un parti pris fort, en tout cas. Ouais. Et du coup, côté Food Chérie, si vous aviez également donc, des challenges à nous partager et puis peut-être même un rêve pour demain en termes de communication. Marine, vas-y. Je pense que vraiment, le challenge, c'est d'oser dépasser le propre intérêt de son entreprise. Je pense qu'on ne peut pas attendre, vous le savez tous aujourd'hui parce qu'on est là, mais qu'on ne peut pas attendre les décisions des pouvoirs publics et qu'en fait, c'est aussi à nous, en tant que marketeurs, dirigeants d'entreprise comme Jérôme et demain consommateurs, d'agir au quotidien, de donner les clés aussi aux consommateurs pour le rendre plus intelligent. Je pense à juste titre, Edouard, quand tu parles de livraison gratuite, effectivement, en faisant ça, on ne donne pas les clés aux consommateurs de comprendre l'impact social et environnemental. Et nous, sur cet exemple-là, on a créé, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais l'EcoScore, on a créé ça avec pas mal d'acteurs de l'alimentation et parfois même des concurrents. Et donc, je pense que parfois, il faut même oser aller bosser avec les concurrents pour rendre le monde un peu vénère. Donc, l'idée, c'était de créer un score environnemental sur l'impact de l'alimentation. Et ce score est maintenant à l'étude auprès de l'ADEME pour être déployé au même titre que Nutri-Score. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir tous à essayer de changer un peu le monde. C'est voilà, en se mettant ensemble, en dépassant l'intérêt de notre boîte, en dépassant l'intérêt même uniquement économique. Et après, je pense qu'il y a un autre truc qui me semble intéressant, c'est que on a toujours considéré que l'engagement, c'est quelque chose d'un peu ennuyant, pour le consommateur, et nous, on est convaincus, et d'ailleurs, on tous les jours chez Food Chérie, en fait, on peut réussir à relier les deux. En fait, engagement et plaisir, ça peut complètement marcher ensemble. Engagement et fun, ça peut aussi marcher ensemble. Et ça, je pense que voilà, c'est un challenge pour les entreprises de ne pas essayer d'avoir des communications que engagées, mais sur les points de contact, comment être engagé et comment le dire d'une façon chouette et audible pour le consommateur. Super. Bah, merci beaucoup, Marine. Et merci beaucoup à tous les quatre, vos témoignages sont super inspirants. Alors maintenant, on va passer au temps de questions-réponses. Et pour cela, donc on vous laisse à tous participants une minute pour finir de mettre sur la plateforme les questions que vous aimeriez poser à nos interlocuteurs ou voter pour les questions qui sont déjà inscrites. Alors n'oubliez pas un petit astuce de mettre TAO au Food Chérie au début de la question pour savoir à qui s'adresse la question. Et si la question s'adresse aux deux entreprises, n'indiquait rien. Voilà, donc on vous laisse une petite minute pour terminer tranquillement.
Nos témoins regardent avec attention les questions qui ont été posées. Je sens de la joie, du plaisir dans les questions. Je suis en train de répondre, mais en fait, j'aurais envie de répondre à toutes les questions. Donc, je ne sais pas si derrière, on peut avoir une liste, oui, des mails, etc. Parce que l'idée, c'est, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir répondre à ces questions, parce qu'il y a plein de trucs qui sont passionnants qu'on vit de la même manière. Quoi. Là, j'étais en train de regarder la question sur les ACV. Les modèles ACV, ils sont en construction. L'ACV, c'est la mesure de l'impact environnemental au produit sur le textile. C'est-à-dire, tu rentres les caractéristiques du produit, où il est acheté, quelle matière, quel poids, etc., etc. Et en fait, ça te sort un score globalement. Mais les modèles, ils sont encore en construction sur le textile. Ils sont déjà plus avancés sur la partie food, comme le disaient Jérôme et Marine. Mais sur le textile, il y a tout à faire. Donc, c'est ce projet-là qu'on est en train de mener avec Decathlon, avec quelques autres enseignes pour construire ensemble un modèle fiable, quoi. Encore quelques petites secondes. 5 secondes. Donc, sans plus attendre, donc je vais démarrer ce temps de questions-réponses en me concentrant donc sur les questions les plus likées par notre public ce soir. Et je vais commencer par une question pour tape à l'œil. La relocalisation de la production textile en Europe est-elle une utopie? Je vais se mixer d'ailleurs avec la question suivante sur l'aspect produit à très bas coût, dans des pays à très bas coût, greenwashing, etc. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est en fait, est-ce que c'est une utopie? Si on veut habiller tous les Français, je pense que c'est une forme d'utopie, oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles qui peuvent se construire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense quand même que première chose, l'écosystème de production aujourd'hui, il se redéveloppe. Mais c'est tout nouveau et les capacités de production, elles sont quand même relativement limitées. Deux, si on parle de la relocalisation en France, le coton, on le sait aussi, il ne pousse pas en France. Et donc, du coup, si on veut faire du coton vierge ou du coton bio, etc., il faut le faire venir. Si on veut travailler avec des matières françaises, là, il faut faire du lin, il faut acheter du lin fait en France, qui pousse en France, etc., etc. Et donc, en fait, il y a plein de complexités pour qu'un produit soit complètement fait en France de A à Z. Ça existe, ça se fait. Effectivement, je lisais dans les questions, aujourd'hui, en termes d'accessibilité prix, c'est très difficile de proposer des produits complètement fabriqués en France à un prix qui soit finalement aussi accessible que celui qu'on essaye de proposer à nos clients. Donc, sur des modèles qui sont des modèles 100% vertueux, ça existe, c'est génial, et je pense qu'il faut qu'ils ouvrent des perspectives pour l'industrie du textile, oui. Après, derrière, si on veut habiller tous les Français, je pense que là, il y a un vrai… je pense qu'on en est loin à beaucoup de niveaux. Voilà. Super, merci beaucoup. Édouard, il y avait une question sur la… Sur la mesure aussi des émissions carbone et vos objectifs à 5 ans, les uns les autres, est-ce que vous mesurez, comment vous mesurez, quels sont vos objectifs à 5 ans par rapport à ça? Oui, moi je peux prendre cette question. Donc est-ce qu'on mesure notre empreinte carbone? Oui, bien sûr, on a fait un bilan carbone en faisant un bilan carbone scope 1, 2, 3. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais en tout cas, quelle est notre empreinte, nous, en tant que Pucchieri, et puis si on l'élargit jusqu'à l'empreinte… Si on prend notre filière amont, aval et puis nos consommateurs, ce que ça représente. Donc nous, ça représente 5090 tonnes, enfin un équivalent de 5090 tonnes de CO2 par an. Et là-dessus, sans surprise, 50% de nos émissions viennent de la food qu'on fait. Et puis après, on a une partie qui va venir sur des emballages, on en a parlé tout à l'heure, et puis une partie qui va venir du fret, etc. Et il y a une faible partie, c'est 3% sur la partie numérique. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, donc nous, on a considéré que ce n'était pas un enjeu majeur pour nous, cette part d'empreinte, d'impact carbone, en tout cas de tout ce qu'on fait en digital.
À 5 ans, donc évidemment, on va continuer à avancer. C'est pour ça qu'on a pris les décisions, comme arrêter le bœuf, comme arrêter les bouteilles en plastique. Mais la question qu'on se pose un peu plus loin aujourd'hui, moi, je participe à la Convention des entreprises pour le climat, où on est 150 dirigeants à se réunir, à essayer de réinventer nos business models, parce que finalement, tout ce qu'on fait, ça limite un impact qu'on a sur l'environnement. Mais la question qu'on se pose, c'est comment devenir régénératif. En fait, on est dégénératif aujourd'hui, mais comment en fait on pourrait devenir quelque chose de régénératif pour la planète. Et c'est compliqué hein, quand on adresse notre business model. Et nous, ce qu'on voit, c'est que si on arrivait à davantage travailler avec des producteurs qui eux-mêmes sont régénératifs pour la planète, je pense à tout ce qui est agroécologie, etc., dans ce cas-là, il y aurait peut-être un levier pour inverser même la tendance. Donc, l'idée serait plus simplement de réduire notre empreinte. Évidemment, on essaiera de réduire, mais essayer de voir comment on peut recréer quelque chose de positif et être régénératif. Donc, ça, c'est les réflexions qui nous occupent aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme. Alors là, une question qui est adressée aux deux entreprises. Est-ce que vous pourriez expliquer sur quelle base on peut dire qu'une communication n'est pas greenwashing? Est-ce que vous avez des indicateurs quantitatifs? Par exemple, est-ce que vos entreprises respectent les standards B Corp? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des critères. Ce que je crois, en tous les cas, c'est qu'à partir du moment où on dit la vérité et à la fois ce qui va bien et à la fois ce qui va moins bien et qu'on est capable de répondre avec authenticité. J'ai vu qu'il y avait une question là sur la manière dont on a géré le poste Green Friday, etc. On n'avait pas de conseils, de machin, de trucs. On a répondu avec nos tripes, avec ce qu'on pense et avec ce qu'on est. Et voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des critères particuliers? J'en sais rien. Est-ce que nous, on est engagé aujourd'hui autour de Bicorp, etc.? C'est plutôt oui. Alors, on a fait un audit Bicorp. Ce qui est génial avec Bicorp, c'est que l'audit est disponible et tu peux t'auto-évaluer. Donc, on a fait une première auto-évaluation l'année dernière qui nous a permis de à la fois assesser tous les sujets sur lesquels vraiment on était engagé et on était au bon niveau. Et puis, on a aussi assessé des sujets sur lesquels on avait vraiment du job. Et donc, du coup, notre ambition, ça sera d'être entreprise Bicorp. Par contre, on se donne le temps, notamment cette année, de vraiment travailler sur tous ces points-là qui nous permettront d'être à coup sûr, quelque part, entreprise validée Bicorp, sachant qu'aujourd'hui, on a encore du chemin à faire. On a plutôt… On va aussi se faire accompagner. On a déjà rencontré quelques acteurs majeurs pour cet accompagnement-là. Je pense que c'est une très, très bonne chose parce qu'à la fin, ça fera vraiment progresser l'entreprise sur beaucoup, beaucoup d'aspects, notamment des aspects… de formes sur lesquelles nous, on est une entreprise de cœur, on n'est pas une entreprise très formelle, on n'est pas très gros. Donc, en fait, on n'a pas toujours les moyens de tout formaliser comme il faudrait. Et l'exigence B Corp, c'est beaucoup de formalisation et c'est canon, ça va nous aider. Voilà. Peut-être, je peux prendre la question pour Fucheri sur B Corp. Donc, nous, on n'est pas certifié B Corp aujourd'hui. Et c'est une démarche qu'on a choisie d'entreprendre, surtout parce qu'on la trouve très structurante. Alors, le B Corp, pour ceux qui connaissent, il y a 5 piliers, et donc un pilier qui touche à l'environnement, mais il y a d'autres piliers qui vont toucher la gouvernance, qui vont toucher… Enfin, voilà, je ne vais pas tous les reprendre, mais donc globalement, on a décidé de se mettre en mouvement là-dessus. Donc, on a créé notre comité de mission en interne sur la base de volontaires qui voudraient rejoindre ce comité et travailler avec nous sur notre cheminement vers la certification de B Corp, au moins déjà sur les 80 premiers points. Et puis, on va créer un comité externe aussi, de stakeholders externes, qui vont nous accompagner pour avoir un regard critique sur notre entreprise. Voilà. Après, j'en ai parlé, on participe à la convention des entreprises climat, il y a B Corp, de temps en temps, on s'y perd un peu dans tous ces trucs, donc il faut qu'on choisisse aussi, qu'on fasse des choix. Mais globalement, on retrouve à chaque fois les grands enjeux sur lesquels on veut travailler et avancer. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que à la limite, la certification en tant que telle, elle ne m'importe pas beaucoup. Ce que je veux, c'est que ça nous structure, ça nous aide à structurer notre démarche et qu'on puisse avancer dans ce sens-là pour voilà, avoir un meilleur impact, une meilleure gouvernance et qu'on puisse progresser. Merci beaucoup, Jérôme. Petite question sur la communication en tant que telle, communication digitale.
On nous pose la question de savoir si vous avez analysé l'impact environnemental de ces communications, de ces moyens de communication, ou pas, ou voilà, qu'est-ce que vous mesurez par rapport à ça? J'en ai parlé juste avant, moi c'est 3%, hein, ce que je disais dans notre bilan carbone, hein, sur les 5090 tonnes dont je parlais, 3% ça vient de la partie numérique. Donc c'est tout, hein, y a tout dedans, nos échanges d'emails, mais évidemment toute nos communications. C'est pas significatif pour nous aujourd'hui. En tout cas, c'est pas prioritaire, en tout cas pour nous, de travailler sur cet aspect digital. Merci. Côté Tapala, nous on n'a pas. C'est pareil. Je pense que c'est en fait. Les entreprises de distribution, il y a 10 ans, elles faisaient des catalogues papier, imprimés, etc., etc. Je regardais un truc à la télé cette semaine qui montrait que c'était fini et qu'aujourd'hui, tout le monde rentrait dans des schémas digitaux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication digitale reste un peu moins impactante. Après, je pense à la fin quand même que c'est un sujet qu'il faut prendre. Mais quand l'empreinte, quand notre produit, nous, ça représente 75% de notre impact environnemental, le sujet, il est vraiment là et on se consacre à fond à ces sujets d'éco-conception et de limitation de l'impact environnemental au produit. C'est pour nous là que se fait notre impact et c'est là qu'on doit se concentrer et c'est pas facile. Les premiers 10% d'impact, je pense qu'on les gagne, je dirais, de manière relativement aisée. En tous les cas, nous, ça a été le cas. Ensuite, quand on commence à rentrer quand on commence à descendre plus bas, c'est beaucoup plus dur. Et pour partager pas mal sur ces sujets-là avec d'autres acteurs du textile et autres, ça va être vraiment un combat de descendre l'impact environnemental de nos produits. Merci Edouard. Une nouvelle question pour les deux entreprises. Donc, comment mesurez-vous ce qui est bon? Ne devrait-on pas donner la parole à des personnes plus qualifiées que nous pour éduquer au mieux nos clients sur des sujets plutôt scientifiques? Marine, tu veux les prendre? Vas-y Marine. On se fait les porte-parole ce soir, mais on travaille bien évidemment avec plein d'experts chez nous ou en externe d'ailleurs. Jérôme me disait, on a des études avec des marques concurrentes pour essayer d'améliorer nos packaging. On travaille avec l'ADEME sur ce score environnemental. On se fait accompagner d'experts dès qu'on peut et on forme pas mal aussi en interne. Que ça soit sur les enjeux, Jérôme pourra mieux en parler que moi, mais on éduque nos collaborateurs ou même les gens qui travaillent chez nous pour qu'ils deviennent de plus en plus experts sur ces sujets. Donc, bien évidemment, on se fait accompagner sur ces sujets-là. Et je pense aussi des méthodes et le fait d'être, par exemple, certifié B Corp nous permet aussi d'avoir cette feuille de route, de l'écrire, de la suivre et aussi de pouvoir nourrir à l'interne sur ces sujets-là. Je ne sais pas si Jérôme, tu voulais compléter ce que je viens de dire, mais... Non, pour moi, c'est très clair, mais je pense qu'effectivement, cet appui sur des experts, elle est là. Après, malheureusement, si on attend des experts de s'occuper de toute cette communication, là, on voit que c'est un peu complexe. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise, comme je le disais en introduction, les points de contact qu'on a avec les consommateurs pour essayer de faire de la pédagogie, mais la pédagogie qu'on fait, elle est appuyée quand même sur des expertises. Mais malheureusement... Les experts ne passent pas leur temps à partager ça et on voit qu'il y a plein de ressources à disposition, il y a des super témoignages, etc. Mais globalement, finalement, l'écho qu'il y a sur le grand public, sur les consommateurs, etc. est parfois, enfin, je trouve personnellement, assez limité. Et on se rend compte que sur la transition écologique, finalement, les gens sont assez peu informés de ce qui se passe vraiment. Moi, je pense que l'expertise, c'est vrai. Je pense qu'on a une partie, il y en a une partie qu'il faut aller chercher, il y en a une partie quand même chez nous, hein, parce que on fait avancer les sujets comme justement les modèles d'ACV, etc. On fait partie des gens qu'on vient chercher pour, mais en fait, on a besoin d'expertise aussi. Donnez-nous votre regard, etc. Donc, je pense que ça, c'est vraiment,
je crois que c'est vraiment intéressant. Il faut les experts, il y en a à l'extérieur de l'entreprise, il y en a à l'intérieur de l'entreprise, il y en a chez les concurrents, etc. Sur des sujets aussi importants que ceux-là, on doit dépasser, je pense, la concurrence pour rentrer dans des schémas où on met toutes les énergies au service de la volonté de faire avancer, avancer les choses, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Edouard, merci à tous les deux. On arrive, le temps file, donc on va arriver à la, avant de conclure ce webinaire, on va arriver à la dernière question, là aussi qui s'adresse aux deux entreprises. Tu parlais, Jérôme, je vérifie que j'ai des micros. Ouais. Tu parlais, Jérôme, tout à l'heure, d'entreprises régénératives ou dégénératives. Et là, il y a une question qui a été posée dans le chat sur quelle sorte de décroissance acceptable avec une proposition de valeur en termes d'impact, de sens, d'effet planète et de valeur euro. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que cette notion de décroissance, comment vous l'appréhendez dans vos entreprises respectives? C'est une super question. je veux bien essayer de me lancer. Finalement, moi, je vais passer un petit peu à côté de la question parce que on est sur un besoin primaire, nous, qui est le besoin de se nourrir. Globalement, on n'attend pas de décroissance au niveau d'alimentation générale, mais on attend une réorientation sur la façon de se nourrir et sur le fait d'aller peut-être vers plus de frugalité sur la partie d'aliments carnés, notamment. On est bien sur cette transition alimentaire qu'on essaie d'accompagner, comme le disait Marine tout à l'heure, sans que ça soit vu en termes de sanctions, hein, mais qu'il y ait une dimension plaisir là-dessus. Et je vais volontairement prendre une question que j'ai vue qui est complexe, qu'on s'adressait à des bobos premium, qu'on s'adressait plutôt à des populations aisées. Alors la réalité, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec des gens qui sont convaincus, qui ont déjà des régimes alimentaires, véganes, etc. Sinon, notre mission, elle servirait à rien. Aujourd'hui, en fait, quand on fait des études consommateurs, on voit bien qu'on a des régimes alimentaires variés. C'est vrai qu'on a des populations qui sont plutôt CSP+, mais pas que. Dans le cadre de la convention des entreprises pour le climat dont je parlais tout à l'heure, j'ai rencontré des personnes qui sont très engagées aussi socialement et qui disaient en fait vous devriez être plus connus parce que les jeunes dans les cités défavorisées, etc., ben, ils vont quand même prendre des kebabs, ils vont manger de la junk food et là le repas il est à 10 euros et nous un plat végétarien il coûte 6,90 €. On dit qu'on a quand même une voie et il faut qu'on avance là-dedans. Et on attend aussi là, pour le coup, un peu de support des pouvoirs publics sur le fait que bah, peut-être que si jamais on faisait des choses qui étaient régénératives, comme je disais tout à l'heure, bah, ça devrait être accompagné, subventionné pour opérer cette transition. Super, merci beaucoup Jérôme. Je laisse la parole à Tape à l'œil rapidement pour conclure là-dessus. Ouais, bien sûr. Par rapport à cette déconsommation potentiellement, on l'a évoqué, je pense qu'on est capable déjà de faire plus, de faire plus avec moins. C'est-à-dire si on arrive à valoriser mieux les produits qu'on vend quelque part, c'est une vraie manière de faire plus avec moins. Et nous aujourd'hui, on a réussi à faire une petite partie du chemin. On vous l'a dit, on a décidé d'arrêter une bonne partie des promotions, etc., parce qu'on trouvait qu'on était quand même arrivé à un moment où, globalement, tu ne vends que quand tu es en promo, et quelque part, on perd le sens de la marque, on perd le sens du produit, du besoin client, et on envoie une promo pour activer du client, etc. C'est presque dramatique, et ça génère, quelque part, une forme de consommation pas toujours utile, entre guillemets. Voilà. Après, il y a un sujet, je trouve, autour de la valeur du produit. J'y reviens. Et on avait posé rapidement une question d'ailleurs à nos clients. C'était est-ce que globalement, il vaut mieux acheter 6 t-shirts à 4 € ou 4 t-shirts à 6 €? Je trouve que c'est dans le poids des choses qu'on est capable de faire évoluer les mentalités. Et c'est un petit dosage. Et effectivement, on ne s'adresse pas, quand on dit ça, à des gens qui sont blindés, qui ont les moyens de… On est juste sur cette consommation plus raisonnable et à faire bouger quelques petits curseurs. Je crois, en tous les cas, qu'on peut
régler une partie du problème. Et après, nous, on a la seconde main, qui est quelque chose de très important sur le marché du textile et qui va fortement se développer. Et je suis d'accord avec une des questions qui sont posées. Une partie de la réponse pour habiller les Français avec des produits qui viennent de France, une bonne partie de la réponse, c'est sans doute la seconde. Voilà. Super, merci beaucoup Edouard, merci à tous pour avoir prêté le jeu aux questions-réponses. Juste, alors, exercice très difficile, mais je vous fais totale confiance, en une phrase ou en un mot, si vous deviez finir sur un conseil que vous auriez envie de partager à nos participants ce soir, et ensuite on se laisse 3-4 minutes de clôture sur laquelle on compte sur tout le monde pour rester encore ces 4-5 minutes, c'est important par rapport à la partie feedback notamment. Merci. Alors, un conseil, une phrase, un mot, sinon on vous coupe. Allez, j'y vais. Moi, ce serait la vigilance constante, parce que chaque mot compte. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de rattraper au vol une phrase comme « ce produit est respectueux de l'environnement ». Non, ça, c'est… Il manque le mot « plus respectueux de l'environnement » ou « moins impactant ». Donc, la vigilance de l'outil, c'est ça ? Constante. Super. Vigilance constante. Super, merci. Marine ? Moi, je dirais, c'était mon mot de ce soir, mais c'est d'oser. Oser aller plus loin, suivez vos convictions et ayez confiance dans le consommateur. Il est influent et des marques veulent faire mieux, il les suivra quoi qu'il arrive, même si au début, il est un peu réfractaire. Merci beaucoup. Alors, qui va réussir l'exercice du un mot, une phrase ? Jérôme, Edouard ? Jérôme, allez, on tente le coup. Ok. Ben, moi, je mangeais mieux. Il y en a 32% qui ont qui ont voté pour manger mieux. Donc, moi, je vous dis, mangez mieux. C'est une super, super idée pour 2022. Merci beaucoup, Jérôme. Edouard, vraiment en une phrase, Edouard ? Ouais, moi, je dirais authenticité. Ah, ben, écoute, Edouard, c'est formidable. Tu m'as autant plus un mot que je m'étais noté sur mon petit calepin. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages hyper inspirants. On se donne vraiment 4 minutes, on vous libère à 19h30 comme convenu. Mais en conclusion, on avait envie que vous, participants, vous puissiez aussi donner un petit feedback à chaud à nos invités, donc dans le chat tout simplement. Si vous pouviez mettre un petit mot dans le chat qui va illustrer votre ressenti, votre émotion, votre vécu de cette session. On vous laisse mettre le petit mot dans le chat et je vais regarder au fur et à mesure ce que vous notez dans le chat. Hop, alors j'en suis où dans le chat ? Challenge, authenticité, dynamisant, inspirant, cohérence, tellement intéressant. Ah oui, je regarde. D'accord. Bravo, humilité. Super. Pendant que Priscilla évoque vos réponses, je vais y arriver. J'en profite pour vous rappeler aussi que dans l'onglet sondage, vous pouvez mettre votre appréciation sur une note de 1 à 10. C'est juste l'appréciation par rapport à la recommandation de ce webinaire. Ça nous donne des indications importantes. Donc, merci d'avance. Le mot de la fin, ce sera action. J'aurais pu dire oser aussi, comme le disait Marine. C'est un mot qu'on utilise à chacun de nos after work et donc je trouve qu'il convient très bien ce soir. Moi, si j'en avais un autre, ce serait bosser avec vos concurrents. C'est ce que je retiens aussi de ce soir. Il y en a qui le disent et il y en a d'autres qui le font et c'est formidable. Et donc retenez aussi la date du 31 mars dans vos agendas pour une septième édition. On est en train de peaufiner avec toute l'équipe là, le thème et les intervenants, mais on vous en parlera rapidement. Vous pouvez le bloquer dans vos agendas. D'ici là, vous pouvez retrouver le replay, les supports de tout ce qu'on vient de se dire sur le média du Faire Ensemble dans la FM qui s'appelle thefield.team. Ce sera noté dans le chat. Et vous pouvez aussi nous partager plein de commentaires et de suggestions dans le petit questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra. Merci d'avance de prendre un petit temps pour le remplir quand vous le recevrez. Là aussi, ça nous sera très utile. Voilà, il est 19h28 avec Priscilla et avec toute l'équipe d'organisation derrière. Hein,
On n'a pas cité tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a Marie, Anne-Céline, Côme, Fanny, Savannah, qui j'ai oublié, aidez-moi, Lucie également, qui était là. Donc, merci à tout le monde et merci pour votre présence. Merci aux intervenants, encore une fois, évidemment, et aux témoins. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et on vous souhaite une très, très, très belle année, pleine de sens, pleine d'impact et pleine de joie. À très bientôt, très bonne soirée, au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Salut.